Salut à tous, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo ici, j'espère que vous allez bien et je m'excuse de pas avoir fait de vidéo mais j'ai vraiment pas eu le temps entre le passage de mon monitorat, la création de mes écuries, etc. Enfin voilà, ceux qui me suivent sur les réseaux, que ça soit Facebook ou Instagram, vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, bah, je voulais profiter du moment juste à partager avec vous en refaisant un petit blog comme à l'époque, un vlog. Du coup, je suis accompagnée de Diego que vous connaissez du coup qui est arrivé il y a tout juste un mois et trois jours pour être exact, et de Orion, que vous connaissez aussi. Et donc là aujourd'hui on va faire la première sortie de Diego. On va aller à un endroit pas très loin de chez moi, juste pour faire une petite balade à pied et profiter de la présence de Michael, que vous connaissez aussi des réseaux sociaux vu que c'est lui qui me fait énormément de mes photos, pour faire quelques photos et un petit vlog avec Ornella qui tient la caméra et la copine Popo que vous verrez sur les vidéos. Allez bref, je vais pas blablater plus longtemps, c'est parti. Je te ferme derrière. Mais il est trop fort ce poney. Je me sens pas du tout observée, c'est ça qui est lui. Moi j'aurais fait un gros plan sur ma fille quand même. Vas-y, c'est bon. Ça va. Il est bien descendu. Donc bonjour, je suis Michael, le guide de cette petite balade. T'as pas ton drapeau ? Cette touffe d'herbe, elle fait plus la maline d'après. À pied, ils peuvent potentiellement passer là. Mais on se décalera. Ouais, c'est comme tu veux. Ben oui. Ah ben on peut rester là. Moi, j'aime bien ici parce qu'il y a le vide. Ah ben. I found truth in the backyard with my granddad by my side. His simple words of wisdom I can still recall. Never went down easy, and of all the souls I've known, I can say I miss him most of all. C'est même pas drôle, c'est Orion qui va tomber en fait. Diego, il fait ça comme un pro.
Ah mais Diego il était à l'état semi-sauvage avant, donc tu parles, il est là, mais elle est trop pourrie votre descente. Ouais. Il a même pas glissé une passe ou quoi. Alors on est là. Qu'est-ce qu'il a eu? Voilà. C'est bien bonhomme. Very good boy. Ça c'est bien. Super. L'autre normal. J'avoue. Tu veux te faire quelques photos ou pas? Ouais, c'est comme tu veux. Vas-y, tu peux avancer. Hein. Okay. Souris naturellement, Popo. Là, t'as l'air coincé. Tu veux que t'aurais conduit une blague? Oui. Coco, elle a dit c'est beau, le reculer ça va saouler. Film, alors je voudrais pas gâcher là le film. Hein. Ouais, ça ira. Comme un pro, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Cette vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. On vient de remettre les chevaux au pré qui sont bien contents de se retrouver avec Vizir et les poneys. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, poursuivre nos aventures et j'espère que la vidéo vous a plu et les images, les photos que vous aurez découvert dans cette vidéo. Nous on les a pas encore vues mais bon, je suis sûre qu'elles sont canons et j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des remarques, des envies, des ondes positives. Voilà, je vous dis à bientôt.